Sur la chaîne du cyclisme, c'est une autre course à étapes que l'on vous propose de vivre depuis 2 ans. Prenez les meilleurs pétanqueurs de la planète, ajoutez un soupçon de cadre iconique, majestueux, comme cette ville de Nevers qui nous accueille pour la 6e année consécutive. Vous secouez le tout et vous obtenez les Masters, votre feuilleton de l'été. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la finale de cette 2e étape de l'édition 2020. Une finale qui va opposer deux équipes qui étaient attendues. L'une des deux équipes de France, l'équipe de France 2 qui réussit le back-to-back. Finaliste il y a 2 mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Finaliste à nouveau et opposer cette équipe à la formation de Philippe Quintet ou encore Diego Rizzi, Alexio Cocciolo, équipe wildcard, équipe XXL au niveau du palmarès. Palmarès XXL aussi à ma gauche, vous l'avez vu brièvement, trop brièvement, Marco Foyot qui nous fait l'amitié de nous accompagner en cette année 2024. Merci Marco. On est bien là. Oh oui, on est très bien. Le crépuscule tranquille qui s'installe au-dessus de ce carré d'honneur. On est au pied du palais des Ducs de Nevers, magnifique. Et surtout avec une finale, Marco, qui s'annonce, ma foi, salivante. C'est un peu mes deux favoris, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Et c'est magnifique. Et on va se régaler. Cette équipe de France 2 qui est assurée, vous le voyez, au classement général avant cette finale, de revenir à 2 unités de la formation de Moïse Elfrick, battue en demi-finale. Et puis cette formation White Card complètement relancée, elle aussi, avec 18 unités. L'une de ces deux formations passera devant cette formation de Moïse Elfrick au classement général. On le rappelle qu'il y a 3 étapes de saison régulière. La semaine prochaine, on sera à Romans-sur-Isère. Et qu'à l'issue de ces 3 étapes, les 4 premières équipes au classement général se rendront au Sainte-Marie-de-la-Mer pour la grande finale. C'est parti, clap de début. Allez, on y 3, va. 2, 1, c'est parti pour cette grande finale en compagnie de Marco Foyot pour vous la faire vivre. Et puis évidemment, pour lancer ce but virtuellement, le maire de Nevers qui, Denis Thuriot va lancer officiellement les hostilités. Lui qui a quelques minutes avant cette rencontre a fait se lever le millier de spectateurs présents en annonçant qu'il y aurait une édition 7 en 2025 ici sur cette esplanade pour vivre une nouvelle étape des Masters. Et ça a été applaudi par l'organisateur et son directeur, Antoine Borgé, l'organisateur quarterback. Une bonne nouvelle donc pour les locaux qui vont pouvoir s'extasier à nouveau devant les prouesses de Lacroix et compagnie. Henri Lacroix qui va lancer officiellement les hostilités. Il est entré, lui, sur cette étape. Il n'était pas de la fameuse finale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie que j'évoquais en préambule. Il remplace Dylan Rocher. On ne perd pas en qualité, on gagne même en titre de champion du monde en termes de quantité avec Henri Lacroix, 49 ans, et qui a compilé un titre de jeu comme il perd sa carrière. Il est accompagné l'homme de 13 titres mondiaux, Jean Feltin et Didiane Doher. Et c'est lui qui est parti pour pointer. C'est une information, mon cher Marco, parce que ça a beaucoup tourné dans cette journée de compétition pour eux. Effectivement, on a assisté à une très belle demi-finale contre l'équipe de Robin, où ils avaient une composition, c'était Ligane Doher qui faisait le pointeur, Lacroix milieu et Moineau Feltin. Faisait le tireur, il a vraiment, pratiquement avec ses 2 boules, il a pratiquement gagné cette demi-finale. Il a été très très fort. Voilà. 13 à 9, cette victoire en demi-finale, après deux matchs en poule pour se hisser dans ces demi-finales, une victoire 13 à 0 sur le coup de Sébastien Rousseau, qui n'était composé que de 2 joueurs, malheureusement, puisqu'il y a eu une absence dans cette formation. Et une défaite sur l'équipe de France 1 déjà en poule, mais il y a eu revanche donc pour se qualifier, le parcours des roses. Je vous le compterai tout à l'heure, mais un élément de contexte quand même, Marco, c'est que avec la deuxième demi-finale entre les deux équipes de France, cette équipe doit se relancer après 2-3 heures sans jouer. Ça peut compter là sur ce premier tir de Diego Rizzi. Il faut se retrouver ses marques dans ce carré d'honneur.
Bien, bien. Belle pointe de Quintet, mais Rizzi, il faut qu'il reparte au tir. Bien sûr, il est resté plus de 3 heures sans jouer. C'est pas évident. Mais bon, il sait faire les choses. Hein. L'équipe de Tigor Rizzi qui n'a pas fait de détails, ne perdant que 4 points en poule en 2 parties. Lors de la matinée de compétition, 13-3 contre la formation d'Andrian Céno, 13-1 contre l'équipe de Nevers. Et une demi-finale remportée 13-6 contre les leaders du classement général, Louis Elfrick & Co. La deuxième est frappée pour Diego Rizzi. J'ai entendu. Alors là, boule importante de suite pour Ligan d'Or, qui a terminé pointeur tout au long de cette demi-finale. Et là, il faut qu'il se relance. Allez. Il faut que Ligan d'Or se relance. Voilà, on commence à zéro cette nouvelle partie. Et bien, c'est pas mal fait. Petit recul pour commencer. Dommage. On préfère qu'il reste là. Troisième participation Masters. Pour le palois de naissance essentiel à boule fleurie croroise, comme un certain Henri Lacroix. Équipe en club et en équipe de France, puisqu'en juin dernier, ils étaient champions d'Europe de doublette tous les deux. Il était même champion d'Europe de doublette mixte avec Charlotte Darrow de Ligan d'Or. Il est champion d'Europe aussi cette année avec Moineau Feltin, Philippe Suchot et Montoro. En triplette en 2023 à Albertville, en effet. Si tu peux le gagner, c'est top. Alors, il va prendre le temps pour tirer. On va faire pointer Henri Lacroix. Un point délicat dans cette première main. Elle a fusé, elle est partie très vite. Tu retiens ? Ouais, ouais. Tu... ouais. Non, ouais. Allez, si tu la tapes, on est deux boules à deux. Allez, on part au tir, il va falloir frapper. Celui-là, il est pas mal. Tout jusqu'à la fin, 3 boules à tirer et c'est loin. Je pense qu'il y a 10 bons mètres là. Voilà, bravo. C'est une bonne manière de débuter cette finale pour Ligan d'Or. On a rappelé à l'occasion des demi-finales le contexte dans lequel s'inscrit sa deuxième étape des Masters au niveau des pensionnaires des équipes de France, avec une sélection en vue des championnats du monde qui se dérouleront début décembre à Dijon. Bien la présence du sélectionneur Dantec sur cette étape de Nevers, quelques jours encore pour peaufiner sa décision, scouter les différents champions pour proposer la meilleure triplette pour ces mondiaux. Il y aura aussi un mondial de tir de précision dans ce zénith de Dijon. Et là, Coach Cholo va tenter de jouer un petit peu face aux deux boules qui sont au fond là-bas, de manière qu'il y ait un contre en cas de frappe. Qui sert d'airbag et finalement, non. Ouais. Ouais, sur la gauche. Ouais. Mais il a gagné le point. Voilà. On parlait de l'entrée d'Henri Lacroix d'un côté, entrée aussi pour Alessio Coach Cholo dans ses Masters 2024. C'est Damien Huro qui était le troisième lors de la première étape en Vendée, pas très loin de chez lui, Langevin.
Oh là là. Bravo. C'est reparti pour l'entreprise de démolition Jean Feltin qui a si le sourire. Si elle sort pas, il y en a 4 hein, par terre. Beau. Hein. Cool, c'est mal joué. Ouais, tout à fait. Belle amplitude. Allez, la boule, elle monte bien. Parfait. Bravo coach, c'est ce qu'il voulait faire, jouer face au debout du fond là-bas. Mais bon. Déjà importante de Moineau Feltin. Eh oui, appelez le professeur voilà. Chirurgie de la part de Jean Feltin qui lance idéalement cette équipe de France. Trois premiers points pour cette finale face aux roses de Diego Rizzi. Et là, c'était loin, hein. Il y avait 10 mètres, hein. Bon point. Ils avaient imaginé, 5 siècles plus tard, les ducs de Nevers, qu'on arriverait à les toiser grâce à un objet volant identifié. Oui. Et qu'on jouerait aux boules, avec des boules en acier, dans le parc. C'est pas mal. Bon, à l'époque, il y avait des boulets quand même, non? Exactement. Un peu plus gros, un peu plus lourd. Et parfois fumant. Oui, on s'en servait pour autre chose. Oula, petite surprise, peut-être un peu court, mais je pense qu'il est droit. Pas eu grandement escompté celle-ci pour le Ligure. Ça c'est pas terrible hein. Évidemment, à la hauteur de son standing, il s'en veut. Corman monde, un tir de précision. Poetti qui après 42 titres de champion d'Italie. A obtenu l'an dernier son premier titre de champion de France, lui qui est licencié du côté de Fréjus désormais, tout comme son compatriote et coéquipier dans ses Masters Alessio Cocciolo. Oui. Mais c'est pas avec lui qu'il a été champion de France, c'est avec un certain Dylan Air. Dylan Rocher évidemment. En doublette, 2023. Casquette. Liam Doer. Ah, c'est bien. On dirait. Là, c'est. On dirait. On va dire qu'elle soit mal tirée cette boule. Hein. On le voit là. S'il y a 5 mm en dessous, c'est carreau en place. Elle était bien montée sa boule. Si tout le monde s'affaire autour des. Des boules, c'est qu'il y a discussion et il y a donc les arbitres qui vont entrer en jeu, évidemment. Luigi Baldacchino, casquette bleue, Eric Clément, casquette rose, le local de l'étape, deux arbitres nationaux pour accompagner cette deuxième étape des Masters 2024. Et 7 mm pour la planche. 7 mm. La boule est bleue. Non, c'est bon. 88.
Il est à la blanche. Oui. Ah, c'est bon. Eh bien, Ligan Doer n'a pas assez bossé. Ouais. Il va falloir y retourner pour les bleus pour quelques millimètres annoncés par Marc-Alexandre The Voice. Le coup était parfait, mais malheureusement, il faut rejouer. Sinon, on rejoue quand même. Un bout de la main, c'est pareil, il sera derrière, on sait pas. Parfait, bien pointé, bien réussi. Alessio Cocciolo, le champion du monde doublette avec Diego Rizzi. C'était au Danemark, dans des conditions météo un petit peu différentes de celles de ce joli cadre de fin d'été de Nevers. Et la chaleur, celui qui vit à Vintimille, il l'adore, il la dompte. Aïe, aïe, aïe. Après, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il doute. Voilà, comme depuis ce matin, il n'a pas bien tiré. Alors qu'il avait bien entamé là, cette finale avec deux jolis tirs. Et cette boule est importante qui vient de manquer là. Pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous lors de la demi-finale remportée face à l'autre équipe de France, on avait même tourné assez tôt après 5 men, en passant Ligan Doer à la pointe. Allez, vas-y, allez. Même on continue quoi. Il faut qu'elle passe bien, il faut pas qu'il ait de contre là aussi. Hein. Voilà. Je pense qu'il a cadré sur celle qui vient de tirer. Mais il faut rejouer puisque le point était à Cocciolo. Allez, bonne la donne Henri là que t'as joué là. Ouais, voilà, là, juste là. Bah. Hein? Ouais. Je joue là alors. Voilà, c'est hein, pas cool. Mal. Coudon il va pas boucher. Gauche, le maire de Nevers, Curio. Bien fait, bien pointé. Deux boules en main pour les roses, une Cocciolo, une Quintet. Il la troisième sur la première. Sortez celui qui leur reste deux boules dans le monde. Bien sûr, encore. Hein. La frappe est dure, c'est là, parce que comme il a tiré, il pouvait faire encore un petit carreau. Hein. Bien tiré, coach. Avec qui vous avez une histoire particulière, Marco, oui. On aura l'occasion d'y revenir. Bien sûr. Ça peut contrer derrière, on ne sait pas.
Et Philippe Quintet qui s'ajoute, qui permet à son équipe d'ajouter et qui épice donc le plat. Deux points pour cette deuxième main en faveur de la formation de Diego Rizzi qui se lance. Ça fait 3-2 en faveur des Bleus. 3-2, voici la main 3. De Nevers, premier château de la Loire. Édifice du 15e siècle, on est 400-500 mètres à vol d'oiseau de la Loire. Non è che stavo bene, cazzo, ho visto una ferma. Ci ho fatto fare 80. Io ho fatto peggio che il doppietto, perché se sbaglio c'era ancora una volta. Perché se quadro tira dietro lui. Oh, vabbè. No, è andato dentro. Di fare 6 volte tirava caro 6. Caro 5. Ma è esagerare. Chia bene. Bravo. Alors, Quintet a joué complètement à l'intérieur, de manière à ne pas prendre le risque de sortir, puisque la ligne de perte est à côté du but. 3-2. Je pense qu'il faut y aller. Allez, les gants d'or. Il faut y aller. Non, tu ne voulais pas trop. Et oui, repartir au front après un échec, c'est le meilleur moyen de se remettre en selle. Bien sûr. Ouais, mais tu sais pas où tu vas là-dedans. Ah non, non, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est justement pour ça. Je suis là, il n'a pas gagné encore. Il est tué. Très bien pointé encore Philippe Quintet, un métronome. Prend pas le risque, il joue complètement à l'intérieur et elle rentre naturellement vers le but. Philippe Quintet qui brigue une 16e présence au Final Four des Masters. Aïe, ah, ça chic. Chez Lingandoer, ce sera pas suffisant. Il n'arrive pas à se doubler. Quando ho girato ho visto la boccia arrivare, quindi vuol dire che si è girata con il tempo lascia. No. Et encore une fois, cette finale, le vainqueur sera celui qui va le mieux tirer encore une fois, je pense. Parce qu'on ne peut pas toujours gagner des parties en bricolant. Et là en face, on a Cocciolo, Rizzi, Quintet. Ça c'est bien joué, je pense. Ouais, qui sait que ça va suffire. Mais elle est bien placée aussi pour un marquage, oui. Là, pardon, il la croit. Alors, Diego Rizzi qui n'est pas souverain quand même. Allez, depuis le début de cette finale au tir, allez, une fois n'est pas coutume. Allez, Diego. Allez, Diego. Il a beaucoup de temps pour nous faire ravaler notre salive, ouais, et remettre les pendules à l'heure. Diego Rizzi fêtera ses 30 ans le 20 septembre prochain. Natif de Bordighera à la frontière française lui aussi. J'y étais le week-end dernier. C'est ça. Ça, si c'est bien joué. Ah. Ouais, peut-être. Point insuffisante. Peut-être. Manque un peu. Il a peut-être perdu le carreau. Ah, le Rizzi. Ouais, faut aller, ouais. Allez, le rocher, bon. Allez. Arbitre, s'il vous plaît.
pendant cette mesure, oui, qui va être effectuée par les arbitres. On va rebondir sur votre propos et évoquer cette connivence qui est la vôtre, alors avec la pétanque transalpine de manière générale, Alessio Cocciolo en particulier, mais la pétanque italienne que vous avez accompagnée à une époque où il y avait quelques champions, mais pas d'un tel niveau que ces deux-là, par exemple. Non. À l'époque, c'était Donato, c'était Laguelia. 63. Voilà. On parle du début des années 2000. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et je me suis retrouvé donc sous l'ère de Antonio Napolitano. J'ai fait 3 championnats du monde pour l'Italie en tant que coach. Et j'étais sélectionneur. Et j'avais découvert une petite perle, un gaucher qui avait 18 ans à l'époque. Et quand j'ai voulu sélectionner pour la Squadra Azzurra, on dira ça comme ça, Cocciolo, tout le monde était. C'était pas évident. Et je l'ai imposé. Et voilà, 20 ans après, il est champion du monde. C'est beau quand même, non? Pas mal. C'est pas mal. Pas mal, monsieur le consultant. Allez, Moinou Feltin, il va jouer un petit peu vers la boule de la croix. Vous l'avez entendu, 3 mm. Et voilà, c'est fait. Henri Lacroix de prendre, mais derrière, il y a Moinou Feltin qui. Eh bien. Remet la bascule, ouais, exactement, côté bleu. Et s'il fait 2 points, c'est beau. Hein. Parce qu'elle a bougé de 3 mm, ça semble être quand même suffisant. 62 et 7000 pour la boule blanche. 62, oh là, pour la pige. On va avoir besoin de la tirette. Cet objet presque machiavélique qu'aurait pu inventer Léonard de Vinci. Hein. On parle des châteaux de la Loire. C'est pas loin, hein, le Clos Lucé. Exactement, hein. Le Clos Lucé n'est pas si loin si on suit le. Ouais. J'adore cet endroit en plus. La Loire vers son aval. Et c'est tellement indécis que donc cet objet est capable d'aller chercher au millimètre les écarts. Va permettre aux arbitres de statuer. C'est bon. Ah, on voit bien là. Ça s'appelle un maître à tirette. Le maître en général fait 1 mètre, 10 fois centimètre, et il y a une petite tige de métal qu'on voit qui pousse avec le pouce. Et cette petite tige fait aussi 10 cm. Donc je pourrais toujours plein en seconde position. Ah, ça n'a pas suffi. Pourtant, oui, il y a quand même de l'aide. Hein. Et bien. Mais ils vont tirer quand même, hein, bien sûr. Allez Diego, il faut faire un palais. Allez Diego. Allez Diego. C'est bien passé, bravo. C'est tout à fait, tu menaces debout, tu fais la marque. Si tu fais la marque, tu fais la marque. Alors, une boule, les bleus, et 2 boules pour les roses. Bravo encore. Bien, bravo. Bon homme. S'il rentre dans la boule, c'est genre de. Allez, si vous tirez celle qui a le poids. Hein. Ah ouais. Allez. Allez, il faut compter pour la prima. Va. Allez, la marque encore. Alessio Cocciolo, le gaucher.
Signe fort. Bien tiré, Alessio, hein, bravo. C'était important d'y frapper parce qu'après il pouvait avoir un contre à la sienne en tirant. Voilà, c'est parfait. Le chelot, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Dans une triplette. On parle de pédant. Hein. Si je le mets, c'est des boulous. Je peux jouer là. Je joue là. D'ailleurs, c'est la main que. Le problème avec les chelots, c'est sport. Si tu sors, c'est pas grave. Après, si je prends les boulous. Il y a deux jeux. Soit il tire. S'il fait un petit palais, il en a deux. Maintenant, comme on dit toujours, on ne tire pas la dernière boule. Puisqu'elle peut remonter dans le but. Ou alors main gauche, il essaye d'envoyer à hauteur de boule. Et comme il porte très très bien les boules, elle peut rentrer vers le but. Mais c'est pas évident à faire. Là on le voit bien là, sur ce plan là justement. Lui avec sa main gauche, il peut faire un tour au bouchon puisqu'il n'y a pas grand chose pour faire rentrer l'autre boule. Ah, c'était bien joué. Ça va sortir, il avait pris le risque en tout cas. Il avait pris le risque pour essayer d'exécuter ce que vous aviez fomenté, mon cher Marco. Mais cette équipe de Diego Rizzi qui revient quand même à 3 partout après 3 men. Les Masters, 25e du nom, sont dans le chef-lieu de la Nièvre. Magnifique cadre pour cette deuxième étape de l'édition 2024. Et avec un homme dans ce carré d'honneur qui vient de lancer le but, Diego Rizzi, qui pourrait devenir le premier joueur, malgré la pléiade de champions qui ont inscrit leur nom au palmarès. Vous en faites partie, vous l'avez remporté 2 fois, Marco. Oui. Il pourrait devenir le premier joueur à la remporter 3 fois de suite, cette compétition. Avec des joueurs différents. Qui plus est. Vainqueur avec Cocciolo, sur sa gauche, en 2022, et l'équipe d'Italie. Vainqueur l'an dernier avec la formation de Dylan Rocher, Stéphane Rubino et Jean Feltin. Oui, avec adversaire aujourd'hui. Avec Feltin, exactement. Et là, par contre, je suis surpris qu'il a envoyé le bouchon à, disons, 6,50 m, proche de la ligne, parce que ils peuvent, c'est pas loin, hein, ils peuvent se lancer les bleus au tir. Il a frappé la boule du bon côté. Allez, Ligander, faut qu'il se remette un petit peu dans le coup là. Et ben voilà, ça c'est beau, hein, bravo. C'est ça que je disais, que moi si j'étais Cocciolo, genre minimum 8,50 m. La passe D, Rizzi, en la mettant à cette distance, c'était pour réussir tous ses tirs. Chasseur d'étoiles, va. Cette boule est importante là aussi.
Ah. Attention, elle est pas sortie la boule. Exactement. Et c'est ce que suit du regard d'ailleurs Mono Feltin, cette boule qui vit toujours, contrairement à la sienne. Henri Lacroix va sûrement tirer. Contaminé, Jean Feltin et Henri Lacroix. Allez, allez, essaye de la pousser. Mène de 3 points dans la main de Diego Rizzi. S'il faisait un petit palais, il a 1m50 devant lui. Ça permettra à Philippe Quintet de faire un troisième point. Il en est évidemment capable, l'Italien. C'était pas prévu dans le contrat. J'avais bouché le trou, mais pas bien. C'est pas terrible la boule. C'est une boule à cocciolo. On va pointer là. Hein? Pas droit. Comme tu veux. C'est le coup de rifle ou c'est le coup de rifle? C'est le coup de rifle. Se può colpire, uno delle due lo faccio. Allez. Non vuoi. Allez. Il ne va pas tirer. Oh non. Il risque de perdre ce petit pécule. On va essayer d'ajouter un printemps. Allez, va. Je me suis complètement arrêté. Parce que c'est suffisant. On va essayer de trouver une vue un petit peu plus aérienne. Pour l'instant, je ne suis pas complet. Dans la mienne, il gagne. Évidemment, important. Dans la mienne, il gagne. Donc, tu vas bien là, ça. Retour de Calci Valdacchino. Frédéric Clément. Un point ou deux points pour les white cards. 94 et 5 mm. 94 cm, 5 mm. Ça, c'est la boule d'Henri. Il faut savoir quel point. 91 et 1 mm. 91 et 1 mm. Un point et bien, il marque pas. La boule de Rizzi est importante. Hein. Ouais, effectivement, finalement, ce sont les bleus qui scorent un point dans cette main et qui reprennent l'avantage 4-3, que c'est serré. C'est pas ça, c'est pas loin. Hein. La donne, il y a 1 mètre d'avant, 1 mètre derrière. C'est pas loin. Ouais, comme tu veux, mais quoi qu'il arrive, si, même si tu le gagnes, tu vas faire un point. En tirant, tu peux espérer en faire deux, si tu fais un petit palais. Ouais. Mais déjà, je vais pointer avant qu'il pointe lui.
Alors, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Ouais. Si pointe tout de suite, c'est pas connerie alors. C'est grave. C'est grave. Pointe tiré, c'est grave de tout pour faire la marque. De toute façon, on tire au pointé pour faire la marque. Oui. On n'a rien fait. Donc on est. Oui, mais en tirant, tu peux peut-être faire deux. En pointant, tu peux pas faire deux. Ouais. Ça va. Allez, vous. 5. Le but est pas. Allez, vous. L'équipe de France. Mène 4-3. Allez. Et on tombe là. Bon, Henri Lacroix. Allez. Voilà. Bien. C'est une partie un petit peu poussive, hein. Ça arrive pas. Il y a bien qui va faire une grosse semaine, je pense. Parce que pour moi, c'est observation. Là, sans venir, je sais pas, mais ça peut arriver. Pour réveiller les spectateurs un peu là. Allez, on retire Diego. C'est pas loin. Bravo. Bien, bravo, bien. Deux par terre. Bien, genre de geste. Fait se lever ce public. Bien pointé aussi. Si vous consommez les tireurs adverses, c'est assez limpide. Le scénario de cette cinquième mène. Ouais. À l'ombre des châtaigniers, c'est Cocciolo qui envoie les marrons, glaçant pour les adversaires. Alors on fait quoi là ? On tire au carreau, on pointe trois fois. Parce que pour gagner celui-là trois fois, ça va pas être évident. On prend un risque. Ah, ils sont obligés de prendre des risques. Voilà. Toutes les boules frappées, c'est des boules que tu perds quoi. Mais il n'a pas manqué une. Encore une fois, cette boule est importante. Ça suffira pas. Les roses ont toujours deux points par terre. Et c'est la tête basque. Ouais. Mano Feltin s'en va vers le cercle pour sauver ce qui peut encore l'être. Est-ce qu'on retire cette boule de droite là ? Sur la boule ? Pour détruire des points. Casser des points, ouais. Ouais. Et puis en tirant là, tu peux remonter dans le bouchon aussi. Parce que si tu pointes, tu t'exposes. C'est ça, les 4 à 3, on va prendre. Bien sûr. Allez, si jamais, tu peux mouchonner aussi. Allez. Ça nous donne deux options. Deux chances. La Wildcard, ils ont quand même 3 boules. Hein. Il reste 2 boules dans les mains de Quintet. Oui, vous parliez de grosse mène il y a 2 minutes. Votre flair, peut-être, a encore sévi. Contrat rempli hein, pour Mano Feltin. Voilà. Forcément. Allez,
Silence. On tourne. Clairement chercher rasante pour s'assurer de ramasser. C'est pas bien tiré. Elle est pas bien tirée ça. Il a fait frapper mais elle est pas sortie. Dommage. La boule s'arrête sur la ligne, sur la ficelle. C'est totalement différent parce que Philippe Quintet de boule en main. C'est une jolie main. La quatrième main, les roses ont raté une occasion. Alors Philippe Quintet au tir. La boule n'est pas bien placée, elle est un peu derrière le but. Enfin, il en a vu d'autres. Oh! Et bien, c'est le but qui est allé directement sur son coéquipier Alessio Cocciolo. Ça pouvait arriver. Et il leur a resté une boule en main, plus de boules de l'autre côté. Donc, c'est un point qui revient à cette formation white card. Et ça fait 4 partout. Une finale ultra serrée. Attention, ne pas critiquer les Nerazzurri, s'il vous plaît, mon cher Marco Foglio. Ouais, vous parlez Catenaccio, c'est ouais, ça? Oui, obligé. Ouais. Grand fan de foot également que vous êtes. On n'est pas au skatepark, pardon, mais on n'est pas loin quand même. Avec du côté de Nevers, cette Loire qui magnifie le cadre. Ça c'est pas mal fait aussi. Mais la partie, hein, il manque toujours quelque chose. Hein, sur les mains peuvent arriver, c'est des mains de 3-4 points de chaque côté. Et puis il y a toujours quelque chose qui va pas. Quoi. On en manque une, on en chique une. Voilà, ça commence par là. Il est peut-être parti pour 2h, 2h15 encore. Sarà avanti col tempo lui. È sicuro con il tiro. Bravo, bravo. Tranquille, hein. Oh oui, oui, la sagesse du recordman, tout sport confondu, de titre de champion du monde, 17, dont 9 obtenus en triplette. Et oui, Moineau est un peu... Il regarde Ligan. Après ce beau carreau de Ligan, derrière il tire, il manque. La
attention. Toi aussi c'est bien joué. Ah, ils ont besoin d'être testés ces tireurs de l'équipe de France 2. Même si Jean-Fait Le Temps a été le plus régulier dans cette deuxième étape. Il suffisait de dire ça. Trop court. Il manque beaucoup de boules quand même dans cette partie. Oui. Il manque beaucoup de boules. Super la croix. Pour essayer de remettre un semblant de logique dans cette mène, mais ils ont lâché des boules. Les bleus. Quindi se ti picchiamo anche se bloccati vince già. Allora gioco qua. Ah poi devi cercare di arrivare dalla macchietta. Voilà. Ça suffit. Son rôle c'était de gagner le point, il gagne le point, voilà. Donc boule à boule. La croix contre Diego Rizzi. Diego, va, dai dentro, Allez Diego. Allez Diego. Allez, continue. Allez Diego. Pour la poursuite de ce mano à mano. Bravo. À toi, à moi, et bien ça en fera même deux pour cette équipe White Card qui passe devant 6 à 4. Et Philippe Quintet, qui inscrit donc ces deux points pour mener 6 à 4 face à Ligan Doer, Moineau Feltin et Henri Lacroix. Voici la main 7. Et alors que l'on vit cette grande finale de la deuxième étape, permettez-moi de vous donner rendez-vous aussi les 31 août et 1er septembre prochains, date de diffusion de la troisième étape, celle de Romans-sur-Isère, à l'issue de laquelle nous ferons les comptes et nous serons capables de vous donner les 4 qualifiés pour le Final Four, cette 25e édition. Les deux formations que vous avez l'une face à l'autre n'ont pas de garantie, mais quand même, en termes de points, on l'a vu en préambule de cette retransmission, elles ont fait le job, Marco. On devrait donc, selon toute vraisemblance, les retrouver selon les scores du soir. Oui. Avec le barème de points, en tout cas la vainqueur, l'équipe vainqueur de cette finale, sera leader du classement général, quoi qu'il en soit, avec 21 points. Sera-ce l'équipe de France de Ligan Doer, sera-ce l'équipe de Diego Rizzi, ça c'est autre chose, mais ce sera une belle option.
Je pense qu'il y a trois équipes qui vont dominer quand même. Plus celle de Delfric. Qui va s'intercaler au général, ouais. Effectivement. Mais ils vont prendre beaucoup d'avance, hein, ces trois équipes. Hein. Sur le quatrième, sur le cinquième, sur le sixième. Effectivement, puisque la Elfric et équipe de France de Rizzi vont se tenir en 3 points, voilà. Entre 21 et 18 points. Les et après le 4ème, hein. Madagascar n'a que 9 points. Ouais, ouais. Donc il y a Final Four, 10-4 équipes, donc ça veut dire que tout reste jouable lors de l'étape de Romans sur Isère. L'équipe de Sébastien Rousseau, l'équipe de Christian-Drian Tseno, l'équipe de France 1, tout le monde peut mathématiquement, en tout cas, se hisser dans le Big Four, donc pour accéder à ces 4 premières places et donc à cette position. Ce sera compliqué. En attendant, continue ce 1 sur 2, Ligan Doer. Non, il vient de faire un carreau. Allez. Il avait tapé la première aussi. Oui. Autant pour moi, Marco. Non, on était en train de parler, c'est pas grave. On parlait de statistiques. Et j'en ai perdu le fil là. Et lui aussi, Diego. Alors. Le but est à côté de la boule. On essaye de se coller dans la boule. Dans le but. Il faut y retourner. Allez, Diego. Tiens, c'est là. Comment tu veux tirer toi? Je vais tirer à Simon, hein. Lui de gauche, il va à droite. C'est la seule chose que lui, il va à droite. Il a les bouchons sur la main. C'est la manque. Après, c'est pareil. Allez, faut y aller alors. Allez. C'est 26 points di contrario, ma fiera che la bene, va se puoi. Ari, ari, zio. Senza criterio, merda. Je pense qu'il va tirer, peut-être, bouche en boule. S'il le fait, il aura fait quelque chose, hein, parce que... Bien tiré, le sur bien. Forcément satisfait, même si c'est très bien frappé. Oui, mais ça sert pas à grand chose parce que non seulement le point est toujours à Ligan d'or sur son premier carreau, et surtout il a pas fait passer la balle, il a pas sorti la balle. Si on cadre, c'est pas si mal. Donc il y a encore un chantier. Hein. Non, bien tiré, 4 boules dans le monde. Moineau Feltin. La croix. Si vous cassez 2 points, on en perd 3 dans un tour de télé pour chacun. Si on se fait tirer dessus, en plus, c'est encore au fond. Non, qu'est-ce que fait normalement Diego dans ses coups-là? Tire au bout. Je tire au bout. On tire au bout. Allez, viens. Voilà. Ça va pas aller. On est à 5 points déjà. Et moi, je l'ai avancé. T'as bien tiré, hein. Bravo, ça c'est fait, 2 points par terre, mais une boule contre 4. Je pense que la croix va pointer tranquille. Malter encore la première. C'est pas droit. Non, je suis droit, je suis court. Ça arrive bas, ça arrive fort, sans pas monter les boules. Je suis droit, mais ça ne donne pas, sans malter les boules. Allora, leva, tirati bene questo. Non è carissima la mano. Allez. Qui va aller faire jouer la dernière boule de cette équipe white card. Allez, Alessio. Allez, continue. Debout les Gary au tir. Oh, il est pas malheureux. Ouais. Il a tapé la boule du fond. Il y en a là-bas. Une qui sort au fond. Ouais. Mais bon.
Sinon, en frappant deux fois, c'est main de 6. Hein. Exactement, ça pouvait être une main de 6. En effet, ça reste quand même. Ils vont perdre 4. Grosse main. Probablement encaissée. Ah, bah 4, alors 8, 6 à 8. 4, c'est cher. Ouais. Alors, on a joué pour en perdre 3. Et pour espérer, on gagne 1. Putain, qui prend son temps, l'expérience du trentenaire. Ça, moi, pas mal la même. Ouais. Et ce que je dis toujours dans mes stagiaires, moi c'est pareil lorsqu'on monte des stages, toujours aller boucher le trou. On n'est pas pressé. Voilà, c'est important. Et pourtant, c'est un champion. Jean Feltin n'a pas eu vos stages, mais a eu vos conseils dans ses jeunes années et ces 4 points qui permettent aux Bleus de repasser devant la plus grosse main depuis le début de cette finale, qui permet à l'équipe de France 2 de passer devant à nouveau. Sur ce geste là, la croix est très concentrée, la tête vraiment sur la main, sur la donnée plutôt, et ça l'a pas empêché de taper mal. Et c'est important que vous évoquiez ce facteur concentration, parce que cette finale elle s'inscrit dans un contexte comme tous les événements sportifs, et ça fait pour ces champions plusieurs qui nous envoient des boules. Première partie, en tout début de journée, alors ce sont des champions évidemment qui sont rompus à cet exercice, mais c'est toujours important de le signaler aussi, de garder cette concentration, cette qualité mentale, parce que des boules ils en envoient depuis leur plus jeune âge, pour certains une petite cinquantaine d'années comme Philippe Quintet, mais c'est toujours très dur de garder cette concentration au fil de la journée. Il y parvient, le Zidane de la pétanque. Et puis, c'est physique là, hein, cette heure-là, depuis ce matin, les gens s'imaginent pas, mais c'est des kilomètres. Ah non, il n'y est pas. Il n'y est pas, Ligue 1 d'or. Il n'y est pas, Ligue 1 d'or. Alors ils font une belle main, après on fait n'importe quoi, après on rechic, on fait deux carreaux. On n'arrive pas à jouer 6 boules d'affilée quoi. Il n'y a pas une équipe qui joue 6 boules d'affilée. Après c'est enfin un beau petit là, je aura l'occasion d'aller chercher son premier paletot de champion de France chez les grands, avec Henri Lacroix justement en doublette. Ah oui, il va y avoir des belles doublettes là. France. Ça se passera là la semaine prochaine. Et voilà. Allez. Là c'est pas terrible tout ça. Hein. Pas terrible. Hein. Je crois qu'ils vont reprendre la composition des demi-finales. Je pense que Moineau va finir tireur. Lacroix pointeur. Elle va à milieu et malheureusement pour Ligan, mais. Si tu tires comme ça, tu peux pas gagner. Et pourtant, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Hein. Ça, on peut pas lui enlever. Hein. 4 fois champion d'Europe chez les jeunes. Oui. Ex-champion du monde aussi, U18 en triplette en 2015. Et qui a bien sûr confirmé chez les grands. Avec une étape gagnée au Masters à Clermont en 2019. Cette victoire au Mondial La Marseillaise en 2022. Et Henri Lacroix qui va refaire jouer les roses. Condition sine qua non. Pour ne pas prendre une trop grosse main.
2 boules l'équipe de Moineau et là où il garde 5 boules en main. Ah, Diego, pour ça, lui, il faut pas qu'il mouche, qu'il bouge. Pour rien entendre. Je crois même qu'on a arrêté les cloches là. Parce que normalement, c'est l'heure où il y a les cloches qui sonnent et je crois que. Attends, on a dit attention, Diego tire. Et dans ce silence religieux, ouais. Retentit son bruit préféré. Ah ben c'est important. Hein. 2 points par terre. 4 boules contre 2. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la force d'attendre, peut-être que Moineau va tirer la sienne au but. S'il a bonne heure d'y frapper, on refait la main. Parce que même en gagnant 2 fois le point, ils vont perdre 4-5 points. Et voilà. Il tire au but. Ouais, il y a eu un petit conclave là avec Henri Lacroix. S'il fait ça, il aura tout fait. Hein. Ah, il a peut-être bien levé. Ah, mais c'est compliqué. Hein. Après, on veut faire des exploits. Des. Fais ciseaux dans les boules. Henri Lacroix demande à Moineau de retirer au but encore. Il le ferait. Pas mal. Elle a franchi la ligne, mais vous l'aurez compris, il y avait quand même 4 boules encore en jeu côté Rizzi, ce qui font 4 points de plus dans l'escarcelle des Roses. Et c'est dire, hein, en tirant le but, si on pensait prendre une mène encore plus violente. Et ce passage donc de 8 à 6 à 18 pour les Roses qui voilà, ça arrive maintenant en zone de gagne assez prononcée. Ouais. Et je crois qu'on a pris acte, hein, côté bleu, on est bien parti pour tourner à nouveau. Ce que vous suggériez tout à l'heure peut-être se produire dans cette fin de finale comme ça avait été le cas lors de la demi. mètres et 25 cm à côté de la ligne de perte. Je sens le ton de la gourmandise là qui apparaît dans votre voix, Marco. Oui, je sens moi aussi. Mètres 80. Ah oui? J'ai contrôlé quand même parce que je suis pas sûr que Marc Alexandre. En fin d'après-midi, des fois il se trompe. Hein. Il se trompe. T'as mal tombé. Il a le soleil toute la journée pour lui aussi. Hein. Et en plus, il avait pas de casquette cet après-midi ici. Ah, Quintet a rendu la boule. Très mauvais point de Philippe. Enfin, c'est une des seules qui perd. Comme jamais, moi, c'est la même note. Le but est à 2m80. Donc. Alors dans cette partie, ce qui est étonnant, c'est qu'on est en train de voir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas une de ces deux parties qui fait 2 mains ou 3 mains d'affilée où tu joues 15 ou 16 boules, enfin c'est-à-dire 6 boules. Non, on fait un exploit puis tout d'un coup, on fait un truc bizarre. C'est très sinusoïdal effectivement, ouais. Ça manque un peu de régularité. Ça va, Lacroix. Quintet Vénard, Lacroix, il perd le point. C'est une bonne illustration, je crois. Oui, mais c'est à l'image de cette partie de boule qu'on regarde. Personne fait le break, fait quelque chose. On est bien facile, nous, pour dire ça. Oui. La position assis. Pour le soleil, un peu quand même, là. Ah oui. Parfaitement. C'est là mieux joué. Allez, continue. Allez, Diego.
Allez. Une petite rotation magnifiée à l'impact. Allez, bah, continue de la pousser. C'est quand même un sale métier, pointeur là-dedans. T'as raison. Puis moi, toute la journée, j'ai vu ça à côté des ficelles là-bas. Un peu plus. C'est tout ce que je viens de dire. Ils n'arrivent pas à jouer tous ensemble. Deux mains d'affilée. Allez, pas niente. Allez, Diego. Allez, faut bien tirer celle-là. Pourtant, c'est des grands champions. Hein. Allez, Diego, fais l'effort. Diego, j'ai jamais vu manquer autant de boules. Allez, si une roba del genere, Cristo. Alors qu'il peut passer une après-midi sans manquer une boule. C'est là, il est bien arrivé. Dès qu'on fait un carreau, quand même, c'est bien. Et ça change un petit peu les perspectives. Ça réveille les spectateurs aussi, c'est plaisant à regarder à la télévision. Et surtout, ça embête les adversaires. Ah non, Moineau, lui, il n'est pas embêté. Non, mais il n'est jamais embêté. Lui, Jean Moineau Feltin, dans ses œuvres, poursuit l'élan de ce carreau adverse là pour donner un petit coup de boost à cette deuxième partie de match. Allez, va proprio scala subito. Allez, essaye de frapper, les yeux. Non, calcette. Incroyable cette partie, ils arrivent pas à jouer ensemble. T'as rien que toccare là. T'es juste de rien du tout, hein. Demi-boule. Peu moins que d'une boule, mais. Pas droit, moi. C'était suffit juste pour passer peut-être. Ah, je tire quand même. Faut tirer quand même. Déjà, je la gagne et sont à 8. Allez. Y'en a même les bouchons. Allez. Top la pietra verso di qua, non? Non, ma neanche che di là, basta che ti piace lì. Allez, va, porta via adesso il cammino e ne malvagio ancora, dai. Dommage. Ah, essaye de bien tirer celle-là, allez les Sioux. Frappé à celle-ci, cette période de vendange. Elle est raclée celle-là. Oui. Comme il dit Rezelli, les Italiens ont des racles lentes. Les boules de Lunez avaient des caoutchoucs dedans. Même s'il n'y a pas des caoutchoucs dans ces boules-là. Allez, sûr. Ça y est, on va créer la polémique, ça va être un embrouille pas possible. Ça y est, enflammer les réseaux. Ah ouais, ça y est. Il fait la même et il y a quand même quelques tours en plus. Il en a coupé un. Même chemin, mais oui. Ligan, c'est pas mal. Allez, il faut tirer. Allez, Ligan, c'est bon. Allez, pas en l'air, je l'aurais gagné. Et ben voilà. Et oui, ça reste. En l'air, je vois. Alors, c'est incroyable, ce garçon, autant il fait deux carreaux. Et après, sur une main importante où il vient à se doubler, ça bloque la main, il fait un coup sur deux. Mais bon.
Ce l'ho sulla mano, se la gioca bene. 8-1 su 2, 1 su 2 e siamo boccia a boccia, ti rendi conto? Tiro quasi la prima cambio, porca dio. Guarda lì. Oh oui! Ça c'est du grand quintet. Hein. Ouais, immense, ouais. Philippe Quintet pour aller reprendre ce point et mettre la pression sur Ligue 1 d'Auvergne. Elle pèse lourd, cette boule. Oh, ça sort. Ça sort, le job est fait pour Ligan Doer. Deux points supplémentaires. Et l'équipe de France qui revient à 10 partout. Le sourire retrouvé pour le joueur de l'équipe de France. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Encore trois quarts d'heure, on est bon là. Sur ma tête, ça... je l'ai eu haut. Je peux pas prendre plus petit. D'accord. Il n'y a pas plus petit. Allez, regarde, dis-toi tout. Dommage. Le soleil décline sur Nevers, mais notre envie d'assister à la fin de cette finale, elle, est décuplée. Voyez ce score si vous venez de nous rejoindre. 10 partout et on attaque la 10e main. Allez Diego. Allez, tiens bien celle-là, Diego. Allez Diego. Allez Diego. Bien. Bravo. Bravo, bien. Petit carreau. Allez, Yann. Petit carreau aussi. Bien, bravo. Il remet ça! Ah ouais. Il est là, hein. Plus carnassier que jamais. Lui, vainqueur pour la cinquième fois du trophée La Marseillaise cette année. Vainqueur aussi d'un tournoi important à Trévoux juste avant de venir. Et ça y est, Ligan Doer qui lui aussi monte sur le même nuage que Philippe Quintet. On va peut-être avoir un épilogue du tonnerre. Trois points par terre pour les bleus, mais les roses ont la boule d'avance. Ce qui veut dire 4 boules pour la wildcard et 3 boules pour l'équipe de France. Et bien voilà, même joueur joue encore. Et là, cette fois-ci, il est devant le but. Hein. Il sera dans le coup, en effet. Ouais. Ce bouchon. Oh là là. Henri Lacroix qui s'excuse pour ce geste qui a un peu de réussite quand même. Oh, c'est pas de la réussite, il avait fait carreau, hein, Feltin, si on regarde bien le tir là.
Il faudrait bien le revoir ce tir. Ouais, c'est pas mal, bien sûr. Non, 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 regarde. Voilà, frappe. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, il y a combien de points par terre? C'est exactement la question qu'a en tête Philippe Quintet, qui a demandé aux arbitres de clarifier. Se n'en ont 3. Se n'en ont 3 pas caldo. Il y en a au moins 2, peut-être 3. Si le tir de Monopeta a donné 3 points à son équipe. Ouais, tu pouvais monter au moins là. Ah oui, c'est pareil. Ah, c'est chez 44. Devo tirare a colpire la 44 cm. Il promette de venir. Boule rose. Morte. Non, c'est pas. Tu vois, c'est pas. Devo tirare come puoi, non è che c'è. 43 et 6000. 43 et 6000. Donc il sera là. Donc, le point en troisième est à la blanche que les valeurs. Et deux points par terre. Allez, Diego. Et trois boules pour deux. De il y a danger là. On verra ce qu'on là, Diego, il faut qu'il frappe boule bouchon. Allez, Diego, va. Mais bon. On peut quasiment faire ce genre de choses sur commande. Un petit peu moins. Cette finale. Et il le fait. Il a fait c'est magnifique. Quel coup réussi par Diego Rizzi. C'est un champion là. Hein. C'est un tir de champion. Bravo. Hein. Mono, Feltin va retirer. Ah, oui, parce que là, les boules. C'est vrai, la boule donnée par contre. Ouais. Boule, la boule. Il y a le carreau de Rizzi par terre. Attention, monsieur. Attention, s'il vous plaît, ne bougez pas. Pas doucement, Mando. Allez. Allez. Allez, sois bon encore. Ah, ça c'est pas bon. C'est là qui était important. Hein. C'est mal tiré. Ce qui a manqué, le tir intelligent, aurait été de manquer à droite. Bouche en boule, cher Maxime. C'est ce que vous auriez fait, vous. En plus. Évidemment, parce que vous m'auriez coaché. Exactement. Jusque quoi, si vous auriez dit tirer sur la droite. Hein en tirant, il risque rien. Pas que bouchon démarre. Hein. Regarde. Bah, ils ont. La boule de Diego Rizzi a fait quelque chose d'incroyable. Ça passe, Henri. Ouais. Et si je frappe pour perdre, c'est dur, mais si le bouche bouge, t'as perdu. Pas bien droit, on a perdu direct. Non, là, c'est une mets bonne. Oui, il faut déjà, il faudrait qu'il les mette là, et si j'en mets là, je gagne encore les nôtres. Allez. La croix va essayer de jouer dans la boule de manière à se coller le plus près possible. Comme ça. Et on ne sait pas. Une seconde pour jouer cette boule pour Henri Lacroix. 7, 6, 4, 3, 2. Tomber sur une pierre, ça fait un saucisson. Sa boule, elle n'a pas touché terre, elle est partie complètement de travers. Terrible pour les Bleus. Chaque fois, moi, c'est avec maintenant deux boules en main pour gagner. Pour la white card, pour là, gagner, caillou, oui Marco, cette finale de Nevers qui est en train de basculer sur un tir génial de cet homme, bien aidé par des appoints aux petits oignons quand même de Philippe Quintet sur ce money time. Quintet a été le meilleur pointeur sur cette partie. C'est surtout le champion's time, hein. Ouais. Clairement. Bravo Ale, bien. Ah, ça c'est Cocciolo, hein. Il, bravo, a, c'est il a un coup de poignet extraordinaire. Ça fait 12 ans. Ça c'est obligato. Ouais. Qua? Là ouais. Un coup de match. Ah si, però è arrivata pelo pelo.
Allez, Alessio. Allez, fais encore un effort. Il a l'avantage de jouer dans les boules. Allez, allez, mettez ça avec questo. Ah ouais, la tour va tout rattraper. Sans prendre de risques. Ouais, on était mal à la sortie, la tour va rattraper. Ouais. Il était pas obligé de faire ça. Là où il est tombé. Une dixième mène de boss pour cette équipe wildcard de Diego Rizzi. Après une finale qui a été un peu tout sautante, cette dixième mène fut une œuvre d'art pour les Roses qui vont chercher cette victoire lors de la deuxième étape des Masters à Nevers. Pour la deuxième fois en deux étapes, l'équipe de France 2 qui échoue à la dernière marche. Et Rizzi, Quintet et Cocciolo qui prennent la tête du général. Et ils ont gagné, et je pense qu'ils l'ont mérité, parce que depuis ce matin, c'est eux qui ont été les plus réguliers. En tirant, Quintet a mené le jeu comme il fallait, comme il a l'habitude de faire. Et Diego Rizzi, dès qu'il accélère, qu'il fait un petit carreau de temps en temps, bien accompagné par son pote Alessio, ils ont joué et ils ont gagné. C'est normal. Et si vous entendez Gloria Gaynor, il n'était pas question de 1 et 2 et 3-0 sur cette finale, mais 13-10 au score final. Et qui, alors en revanche, le 1 et 2 et 3-0, ça peut être le nombre de Masters à la fin de l'été pour Diego Rizzi, les 3 de suite, ce qui serait une performance unique. En tout cas, il a montré à quel point il était prêt pour réussir ce hat-trick au pied donc de ce palais des ducs de Nevers. Monsieur le maire de la ville et le boss de quarterback qui va, Antoine Borgé, remettre les médailles aux champions. Ils l'ont mérité, bravo. Bravo à eux. Une nouvelle étape des Masters remportée par Philippe Quintet qui ne s'en lasse jamais. Avec c'est 21 points maintenant au compteur pour l'équipe de Diego Rizzi. Les Saintes-Maries de la Mer sont là à l'horizon, au bout du chemin pour Cocciolo. Pour Rizzi, pour Quintet, on n'oublie pas aussi Damien Huron, le quatrième de cette équipe. De beaux vainqueurs donc pour cette deuxième étape, et l'occasion pour nous déjà de se projeter vers le prochain rendez-vous dans une semaine de Romans-sur-Isère, la troisième étape que l'on vivra. En attendant, évidemment, on met à jour cette étape, ce classement de l'étape, les 10 points pour la victoire finale, plus les 2 points dans les matchs de qualification pour cette équipe White Card qui finit avec 12 unités au compteur. L'équipe de France 2, 8 points pour 7 points pour la finale, plus 2 points aussi en qualification, ça fait 9. Et au classement général, ce qu'on vous disait tout à l'heure par la voix, 21 points pour Diego Rizzi et son équipe. Moïse Elfrick qui a échoué en demi-finale mais qui avait gagné la première étape à 20 points, deuxième place. Équipe de France 2, 2 fois finaliste, 18 points. Et puis tout reste ouvert pour la quatrième et dernière place. Madagascar, France 1. Se tiennent en 2 points, et même mathématiquement pour l'équipe de Sébastien Rousseau, il y a la possibilité, oui, il faudra réussir quelque chose de grand, mais ils peuvent le faire. D'ailleurs, un clin d'œil à Alex Mallet qui, à la veille de cette étape, l'un des coéquipiers de Sébastien Rousseau a été opéré d'une appendicite. On lui souhaite un prompt rétablissement, bon rétablissement à Alex Mallet. Il n'a pu défendre ses chances ici, et ça a été évidemment très compliqué pour l'équipe de Sébastien Rousseau lors de cette étape de Nevers. Merci Marco Folio, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, d'écouter votre expertise à l'occasion de cette étape qui couronne Rizzi, Quintet et Cocciolo. Merci aux équipes, évidemment, d'Anis Prod, encadré de main de maître par Hervé Croza, et puis à Paris aussi, et d'un point de vue éditorial, Pierre-Emmanuel Chinardet et Géraldine Ponce, qui ont encadré la diffusion de ces magnifiques programmes de Nevers et de ces Masters 2024. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye.